Quand ils sont partis, à notre grâce, il est parti en Égypte pour libérer l'Égypte. Il est parti avec combien de combattants? 4000 combattants. 4000 moukatibs pour conquérir l'Égypte. Celui qui lit l'histoire de l'Égypte au moment de Omar Khattab, il sait que même vaincre, c'est pas possible qu'ils peuvent vaincre l'Égypte. C'était une puissance. Et même avant le prophète Safir, l'Égypte, c'était une puissance. C'était un peu de la c'est pas possible. Omar Khattab, quand ils ont été, ils n'ont pas pu vaincre les Égyptiens, il a envoyé Omar Khattab pour lui envoyer du renfort. Omar Khattab lui a envoyé 4000 plus 4 sahabes. 4000 plus 4 sahabes. Il lui a écrit une lettre. Il lui a dit, je t'ai envoyé 4000 combattants plus 4. Chacun des 4, il vaut 1000. Donc 4 fois 1000, c'est 4000 plus 4000, ça fait 1000. C'est ça, c'est le raisonnement de lui. Donc, dans la bataille de Hunayn, ils étaient 12000. Et les Sahabis ont dit, personne, c'est pas possible que on peut être vaincu. Et pourtant, ils ont été vaincus au début. Bon, ils ont gagné à la fin. Mais au début, Allah il a voulu leur montrer que la victoire ne vient pas avec le nom. Les musulmans ils ne gagnent pas avec l'un. Mais c'est en combattant leur âme magnifique. Hatta tastaqir la nafs al-ammara bis-su'i 'ala amri Allah 'azza wa jalla likay yattasif. Qu'est-ce qu'il y avait? Celui qui dirigeait l'armée des mécréants, c'était un jeune de 20 ans. Il était motivé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir les combattants qui étaient 20 ans, plus les femmes, les enfants. Il leur a dit, vous prenez vos bétails, vos vaches, vos moutons, vos poules, vos os. Vous prenez tout pour que vous ne puissiez pas vous enfuir. C'est-à-dire, quand ils les voient, on dirait qu'ils étaient 70 000, alors qu'ils n'étaient que 20 000 combattants. Il y avait un sage qui avait dépassé les 100. Il était aveugle. قالوا له هذا فعل القائد يعني خرج على الناس قال له يا بني ان انتصرت فلن تنتصر بالنساء ولا بالاطفال فانت لا تحتاج اليه وان انهزمت صلحت لنا والعدو سيأخذ كل خيرتك فقال اما هذه واما ان انسحب فقال له هذا الشيء قال له على الاقل قل لرباط للرباط اللي يقول قال له يسبقون الى جبال وادي حنين في حنين كان هذا المكان وادي اسمه وادي حنين وقبل حنين كانت هناك جبال قال له افرض كلامكم مثلاش قال له يجوا فوق الجبال يجوا من هنا ولما يجوا جايين الصحراء لما يجوا قادرين يرموا الفرسان بالألبان يعني يرموا الخيول تاعهم قالوا الخيل الفرس لما يشوف الألبان ماشي كيما السيف قالوا الفرس ما يخافش السيف لكن كي يشوف النمل أو الروح قال لها يرتبك ويطوع على عقبه يعني قال له يطول وتبقى الخيول تنقطع في بعضها البعض والصحابة سيفتنون ويفرون ce chef qui avait 20 ans, il avait sorti tout le monde. Que ce soit les combattants, les femmes, les enfants, le bétail, etc. Il leur a dit comme ça, vous ne pouvez pas vous enfuir. Vous allez défendre votre richesse, vos enfants et vos femmes. Ce vieux qui avait plus de 100 ans, il était aveugle, quand il a entendu tout ce bruit, il leur a dit qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont dit voilà ce qu'il a fait. Le chef du bataillon lui a dit, il a appris, lui a dit mon fils. Toi, si tu gardes, tu n'as pas besoin de défendre tes enfants.
qui va nous faire la honte. Tous ses femmes, ses enfants et toutes nos richesses. Il se rentre, il a la mission de s'accepter, soit je me retire. Ce vieux, il lui a dit, au moins, allez-y devant. Avant, le fleuve de voler est sur les deux campagnes, quand ils passeront dans le fleuve, ils ne vont pas vous attendre, mais quand vous les attendez, armés. Mais vous, vous allez les surprendre avec des flèches. Il leur a dit des chevaux, quand ils voient les flèches, ils perdent la mission, tellement perturbés qu'ils vont faire demi-tour sur place, ils ne vont pas pouvoir contrôler leurs chevaux, mais les chevaux, ils vont se tamponner entre eux. Et ils vont s'enfuir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. هذا الذي وقع لما رموه بالأنداد يعني وقعت شدة عظيمة من 12,000 une fois qu'ils ont jeté avec les flèches il y a eu une فتنة énorme et les sahabis se sont sauvés après ils disaient qu'ils étaient 12,000 ils ne peuvent pas revenir combien ils sont restés avec l'association 100 sahabis Et parmi les 100, il y avait 4 femmes. Parmi les 100, il y avait 4 femmes. Alors, ça n'a pas peur. Pas qu'il n'y ait pas de l'association, ni à l'issue. Ça a eu une belle-mère par rapport à l'issue. À Dominique, tout le monde s'est aussi son sort. Sauf 100, c'est-à-dire 96 hommes et 4 femmes. Et à la tête, bien sûr, c'est Oumou Omar. Oumou Omar qui a protégé. Quand les Sahabes se sont enfuis dans la bataille de Uhud, c'est Oumou Omar qui est resté et qui protégeait le prophète à son épée. À droite, à gauche, jusqu'à ce que le prophète lui ait dit personne ne peut faire ce que vous faites, et à Oumou Omar. Elle venait de tous les côtés. Et dans une cité qui est énorme, où les compagnons, ils ont pris. Ils ont commencé à monter sur la montagne sans regarder ni à droite ni à gauche. Et ça, c'est pas moi qui l'ai décidé. Mais quand ils touchent les là, voilà, tellement à la hadith, voilà, le rassaut, il y a de l'eau, 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 إنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. دابور il faut que tu combattes ton âme pour qu'elle, c'est toi qui la montre, c'est pas elle qui te donne les ordres. Exactement comme la bataille de Uhud. La bataille de Uhud, les compagnons, vous avez gagné. يعني المعركه طويت والاعداء انهزموا ولكن الصحابه تركوا امر النبي واتبعوا الهوى. Ils ont suivi leur âme dans la bataille de Uhud. Ils ont oublié l'ordre du prophète et quand ils ont vu que les ennemis ils étaient battus, le prophète était là. Il leur a dit pour rester sur cette petite montagne, ce qu'on appelle la montagne de Ar-Rumat, Jabal Ar-Rumat, Khal Ibn-Tilla. Si vous voyez qu'ils sont en train de nous déchirer, de nous massacrer, ne bougez pas de cette montagne. Si vous voyez qu'on a gagné et que la bataille est pliée, ne bougez pas de cette montagne. Khal Ibn-Tilla, même si on nous tue, même si on nous massacre, ne bougez pas ici. Si on gagne, ne bougez pas. Ils ont contribué le prophète sur la tribu, pour eux, ça y est, la bataille est finie. Ils ont suivi leur âme et ils ont descendu. Ils sont descendus. Et pourtant, ils ont été vaincus. Ce qui veut dire que le jihad pour Allah nous dit ceux qui ont combattu pour notre cause, la vie ne chère à Mouchina, la dahdi est dans le souple. Donc le prophète, quand il dit, donc le vrai combattant, c'est celui qui combat son âme manifeste. Comment il le dit? C'est le hadith du professeur Hassan, on y explique. Ah. Avant de combattre les autres, tu dois te combattre toi-même. Qu'est-ce qu'il dit? L'imam Soufiane al-Thawri. L'imam Soufiane al-Thawri, il a mis les salafs salafs. Il a mis les hadiths, il a mis les fiqhs, il a mis les atriyats, les anbiyats, les mashhoud yahoum. عند مجموع الأمة الإسلامية. سفيان الثوري سيتا في بارتي دي سلف الصالح إي إلي ريكوني بار سا كيتي بار سا سيونس إتسيتيرا. كاسكي ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي فمرة لي ومرة لها. إيدي سفيان الثوري لا شوز لا بلو دور كو جي كومباتي إي مون أم C'est son âme, il l'a dit des fois à la religion, et des fois j'ai eu Dieu. Il a dit la chose la plus dure que j'ai combattue. C'est son âme. C'est toi-même. Quand tu combats ton âme et qu'elle suit dans le chemin, tu l'obliges à suivre la vérité. C'est fini, tu es gagné. Comme il a fait à Baba Bakr al-Siddiq, quand il a demandé à Omar de le remplacer quand il était en Mabourie, même là, Ababa Bakr istakhla Farmer. Quand il lui a demandé d'être le calife Farmer, quand il était en Mabourie, il a écrit une lettre. Famata qala Ababa Bakr. Qala lahu, inna awwala ma uhaddiruka minhu. Inna awwala ma uhaddiruka minhu nafsuka allati bayna jambik. Qala awwal haja. اللي لازم تحبها واللي نحذرك منها هي نفسك التي بين جنبك. سا سيتي لا بروميير لتر دو ابا بكر عمر اللي دي لا شوز على لاكيل تو دوا فير بلوس اتونسيون سي طون نام كي اونتر. اول حاجه وهي النفس. اذا انتصرت على نفسك انتصرت على عدوك. حتى ولو قتلت ماشي كيما et tu avais vaincu ton âme, c'est-à-dire tu fais pour Allah Azzawajal, tu as toujours le dessus. Parce que ça y est, tu as l'ikhlas. Tu as l'ikhlas, tu as la sincérité. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, je connais des gens qui ont combattu là-bas. Omar ibn Khattab, il y avait un ami de l'islam qui a institué le prophète. Omar, c'était l'imam. Je dis l'imam, c'est pas comme nous. Et ça, il faut à chaque fois qu'on le redit. Imam, quand vous voyez normalement
bien dans les livres, les gros livres du Malikite, quand vous donnez la zakat à l'imam, ça y est maintenant, vous n'avez aucun problème, vous ne la ressortez pas une fois. Ce n'est pas l'imam de la mosquée. Ça, c'est le grand imam, c'est le calife. Parce qu'avant le calife, il était juge, et c'est lui qui faisait le khutbah du Jumu'ah, et c'est lui qui présidait les prières. Donc, il était imam, il était calife, il était juge, donc c'est lui qui prend les décisions. Quelqu'un, il a insulté le prophète, si moi, quelqu'un, il insulte le prophète, et je vais courir derrière lui dans un état islamique, et je le tue, je vais chez le juge qui va appliquer la charia sanction. Tu le prends chez le juge. En islam, il n'y a pas de marché. L'organisation la plus stricte, c'est dans l'État musulman. C'est d'où l'islamien, Akbar Sarama, il y a fait de l'islam. Qu'est-ce que je vais dire de la chimie? Tu n'as pas à faire ce que tu veux. Si le juge, il juge. Et d'ailleurs, comme il dit, les savants vont le faire, Akbar Ulama, ils se sont basés sur Khalid et le professeur Asmin. C'est par exemple, tu m'as volé. Dans un état, ça, tu m'as volé. Et avant d'arriver au juge, je peux te pardonner. Tu m'as crevé l'œil. Avant d'arriver devant le juge, je peux te pardonner. Mais quand j'arrive devant le juge, avant d'arriver, donc, lui, il a couru derrière sur le crime pour le tuer. Il a traversé presque toute l'île. Et quand il a pris, il l'a mis par terre, qu'est-ce qu'il fait ce mécrit? Il a craché sur Omar Khattab. Il a craché sur Omar Khattab. Omar Khattab, il a lâché, il est reparti. Sahaba lui a dit. Tu as couru derrière lui, tu as traversé les nids, et maintenant tu le lâches. Il a réagi la première fois. J'avais étudié pour l'islam, pour le prophète. Mais quand il a craché sur moi, j'ai eu peur que je le tue. Pour moi-même, pour mon âme maléfique, pour le crachat. Imaginons, fraction de seconde, trier à la place, l'interplace. Imaginons que c'est votre. Ils allaient lui donner un coup de couteau pour le prophète. Il crache sur moi, je lui donne 10. Un pour le prophète et un pour moi. Ça va là. Parce qu'on ne peut pas se consoler. Mais ceux qui ont vaincu leur âme maléfique, ils ne jugent pas comme ça. Quelqu'un il a tué le fils de Omar. Omar, quand il l'a vu, l'autre s'est converti. Quand il l'a vu, il n'a mis jamais mon cœur, il a dit. Lui dit à la même, est-ce que tu seras injuste envers moi? Il dit, jamais je ne serai injuste avec toi. C'est-à-dire, ce que tu reviens, je le donne. Il lui a dit, à la même, il dit, c'est pas la peine de vivre. Ce sont des femmes qui attendent leur vie. Donc, c'est la réponse de ce sahab. قال يا رسول الله أمير المؤمنين أفضلوني قال لا أظلمك قال لها إذا فالحب للنساء لا يهمني إذا صديق لي سونتيمون بور سي صديق سي لور أم اللي تي أونتر لا باسكو يفو كو جو سافوا طبيعة النفس لها أمر النساء لا دو سا ناتور elle te pousse à faire le mal. Là, elle est consciente. Et d'ailleurs là, d'ailleurs, c'est Allah qui lui dit, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Donc Allah il a pris là et il lui a donné le choix entre le mal et le bien. Celui qui combat son âme, il la pousse à suivre le droit chemin. Et le bien, il va gagner. Celui qui la laisse, Allah, il est poussé vers le mal. Et c'est pour ça, quand tu lis ces versets coraniques, qu'est-ce que tu comprends en réalité? Juste, c'est bref, Khalil al-Mufassir, réorganiser. Ça veut dire que la nature de Satan, c'est un combat. Elle ne sait pas. بين الخير والشر كل الحياة نتاعك حرب بين الخير والشر النفس نتاعك تدفع بالشر انت تبدا بالخير
الى ان تلقى الله عز وجل. فطبيعه النفس العيش في صراع بين الخير والشر، فاما ان تنتصر عليها واما ان تنتصر عليها بطاعه او تهزمك بالمعاصي المحرمه. لا مانيفيستون سوا تي فا لافاك غراس aux adorations, soit c'est elle qui aura le dessus par bien sûr Muharramat et bien sûr les désirs. Ou alors, le nefs, je te remets à l'aide de quelque chose. Ou là, quand il y a un cas à manier, ou là, quand il y a un cas à faire, pour vaincre son âme magnifique, il faut bien sûr des conditions de moyens. Il y a des savants qui ont dit plus, il y en a qui ont dit moins, mais moi ça m'a appris les gens, la plupart ils ont dit qu'il faudrait 8 conditions pour que tu puisses vaincre ton nom magnifique. La vie de la main, c'est une chose. L'aouïm, ça te comprends, vous voyez, Allah wa azza wa jal, la yuhbalu aja, al-ilm. La première condition, c'est la science. Il y a des gens qui, pour lui, il est d'une grande piété, et pourtant il est égaré. Il y a des gens qui sont égarés, et ils vivent avec arrogance, ils se croient que c'est le meilleur. D'ailleurs, toute personne qui se croit le meilleur, il est égaré. Mais celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, il parle un attendant d'arrogance, rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. من لقي الله وفي قلبه ذرة من دين لقي الله وهو عليه القدر. Et celui qui commet Allah subhanahu wa ta'ala, c'est impossible qu'il soit avant. Celui qui n'a pas commis Allah, comme Iblis, il a été arrogant. Regardez le problème dans lequel il s'est mis. Montrez-moi un prophète qui s'est crucifié. Montrez-moi un ange dans le Coran ou bien le dernier prophète qui se croit sur lui. Aucun. Tous, ils se croient peut-être moins que les autres. Hatta, une fois, il y avait le prophète qui avait un festin. Les Sahabes étaient assis avec le prophète en train de manger. Il y avait quelqu'un qui était un petit peu sale. C'est un pauvre. Il y avait des habits abîmés, anciens, etc., avec une barbe un petit peu, et que les compagnons, c'est-à-dire quand ils ont demandé, c'est-à-dire qu'ils mangent. Le prophète, il a compris que, il a un petit peu, c'est pas diminué. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a appelé, à manger avec eux, il l'a fait asseoir sur son pied. Il lui a demandé de s'asseoir sur le pied. Hassan et Hussein, quand ils avaient un festin, ils regardaient les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui avaient les habits déchirés, abîmés, anciens, et ils s'asseyaient entre eux. Ils ne cherchaient pas les gens. Ça, ce sont des gens qui avaient la science. Et quand je dis la science, ce n'est pas uniquement les informations. Ce n'est pas connaître un verset coranique sans le comprendre. La science, c'est qui te rapproche d'Allah sur la réserve. C'est que la science, la vraie science, c'est celle qui te fait détester ce moment. Et quand je dis détester ce moment, c'est-à-dire que ce n'est pas le laisser. C'est-à-dire, parce que ce moment, pour moi, c'est le pont vers le paradis, mais il va pas faire. Ce moment, Allah nous a fait descendre dans ce moment pour qu'on puisse revenir éternellement au paradis. Et Allah nous a fait descendre sur cette terre pour qu'on connaisse ses secrets. Et avec la connaissance des secrets de ce moment, on connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a créé cet univers pour qu'on le connaisse. Et c'est comme la dernière fois j'étais en train de chercher, je parlais avec un spécialiste. Et en parlant, il m'a dit parlons des noms. Et je lui ai dit, c'est-à-dire qu'il y a
Et bon, il y en a qui cherchent des dents blanches, d'autres, etc. Il m'a dit, normalement, la meilleure couleur des dents, c'est celle qui est conforme avec la couleur des gros des yeux. Mais c'est-à-dire que les grands experts, ce sont eux qui peuvent détecter la vraie couleur des yeux pour avoir cette culture supérieure. Rien dans l'être humain, Allah ne l'a laissé voir ça. Rien dans cette vie ne l'a fait. Donc plus on a la science, c'est la science qui nous rapproche d'Allah sur la salle. Et d'ailleurs, Allah est pas des chameaux, parce que les Arabes, ils connaissaient des chameaux, ils parlaient du désert, ils parlaient des montagnes, etc., pour leur montrer la puissance de la salle. Donc, la science, c'est la première marche pour pouvoir vaincre son âme magnifique. Qui est-ce qui le dit? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama'u. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama'u. Il y a un âme. Je sais que je vais vous étonner. Il y a une prière à l'âme. Salaf qui dit Innama yakhsha Allahu. Et Allah est devenu faim et l'ulama a influé. Mais il l'a expliqué d'une autre manière. Ça veut dire qu'aussi un jour, parce que c'est une qira'a qui est très ancienne, et on sait jamais, vous l'entendez, il y en a un salaf c'est un hanafite, et qui a mis cette version, oui, l'explication, elle n'est pas là. Donc ce qui craint Allah sur les années, ce sont les saints. إنما يخشى الله من عباده العلماء الله عز وجل قصر الخشية على العلماء ما تعرفش الله عز وجل ما تعرفش كل يكون يبقى الله سبحانه عز وجل بزي بكرم إذا يبقى الله شيء تتخوف دي جون كي ديفرج دي بوليميك اتسيتيرا يتخوف كيف على الفون دي بيان alors que dans le Coran c'est ça وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى كل دبر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Si c'était pas la miséricorde de Allah عز وجل, vous allez tuer le shaitan. Mais avant, qu'est-ce qu'il dit? Quand il y a quelque chose, un problème, il ne faut pas le juger vous-même. Soit vous allez chez le prophète, soit chez les saints. Il n'y a pas de prophète sur la science, vous allez chez les saints. Ceux qui ont le savoir. Donc, au Wajib, l'ilm. La thaniya, al-muhafada, al-ta'at. C'est-à-dire, le fait de faire les adorations. Par exemple, Allah a dit « Ou ala salatihim daimun » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ceux qui font leur prière par temps, et bien sûr, ils le font toujours. » Tout simplement parce que quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu te rappelles toujours d'Allah subhanahu wa ta'ala, magnifique, elle va s'affaiblir. Une âme que tu obliges à se lever pour sa sauf, quand même tu es en train de la combattre, tu es en train de la mater. Mais une âme qui t'oblige à faire sauf à des âmes, c'est monsieur. Là, c'est tel que tu as venu. Et d'ailleurs, la salade, elle est très très importante. Si on se réfère à l'histoire de Issa al-Islam. La première parole qu'il a dit à Israël, quand Maryam a été descendue avec son fils, un enfant qui a quelques heures d'âge, il est né il y a quelques heures. Vous l'avez dit, Sami, Ad Bizet, un des Sahats de Mulan. Fa'achalat il est, il leur a demandé de lui parler. Quand il a fait le même quand il a fait le Mulan, comment on parle à un bébé dans le lit? Et là,
esclaves avant de parler de la prière. C'est-à-dire, il connaît ce qui est son Seigneur. Il a la science. Il connaît que son Seigneur sera son Seigneur. Je suis l'esclave d'Allah. C'est-à-dire, je suis dans ce moment pour l'adorer. Non pas pour suivre mon âme dans le vide, ou bien mes désirs. قال إني عبد الله أتاني الكتاب. Il a fait descendre sur moi le livre. Bon, Abdullah, c'est l'esclave d'Allah. أتاني الكتاب. Pour Isa عليه السلام. Il a parlé. L'évangile, le Nouveau Testament, qui était déjà descendu. Quand il dit, j'ai eu le début ça. وجعلني نبيا. Il a fait de moi un messager. Il n'était pas encore messager. Il était encore bien. Tout simplement pour dire que ce qu'il a décidé à l'Ouest par exemple, par exemple l'enfer, n'est pas encore venu. Le jannah n'est pas encore là. Il est encore vivant. Mais le Coran, quand il nous parle des gens de l'enfer, comme si, en ce moment-là, ils sont déjà dans l'enfer. Pour les gens, ils n'ont même pas été jugés. Et quand ils nous parlent des gens du paradis, comme ça, ils sont déjà dedans. Parce que quelque chose que Allah a décidé, c'est une certitude. Moi, je te dis, demain, je viens. Je ne peux pas dire, je suis là dedans. Parce que je suis dans ma chair. Est-ce que je viens ou je ne viens pas? Bien. Moi, je veux venir demain. J'ai décidé de venir demain. Mais il y a des empêchements qui peuvent m'empêcher. Mais la décision de la France, rien ne l'empêche. Et ça, c'est la grande rhétorique du Coran qui a vraiment émerveillé même les Arabes qui étaient vraiment des gens énormes, comme le Fasta, comme le Bouhtoum, le Akhbar, le Moutalib, tous les poètes, ils ont été émerveillés. C'est quelque chose. Ils te parlent de quelque chose qui va venir, mais comme si. Il est devant toi, il te le schématise comme s'il existe, comme il est en train de regarder. Tout simplement, parce que ce que Allah nous a décidé, mais ce qui nous intéresse, il n'y a pas de je suis l'esclave d'Allah. Il a fait des gens sur moi le livre. Donc, il y a un itinéraire qui doit suivre. Il ne va pas suivre son plan magnifique. Nous, comme si maintenant je te dis, il y a le plan. Nous, quand il y a le plan, on n'a pas à suivre. C'est-à-dire, l'âme doit être dressée à suivre le Coran. Et attention, quand on dit le Coran, c'est automatique. La sûreté du prophète, on ne peut pas séparer le Coran de la sûreté. Impossible. Impossible. Quand on dit le Coran, il doit être expliqué par la sûreté du prophète. Donc, atteignez le Peter, Wajahalani, Nabila, Wajahalani, Mubarak, Nabila, Kuntu. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما دمت حيا c'est-à-dire Allah m'a recommandé la prière et la zakat. Pourquoi pas l'appeler le Ramadan? Vous voyez le Ramadan? Il y a des gens qui ne font pas la prière. Il faut le Ramadan. Même s'il est malade, il jeûne. Il jeûne. Mais question de salat, c'est difficile. Shaitan, il te met une barrière énorme. Parce qu'il sait que ça, c'est un combat contre ton âme. Si c'était un mois, tu fais la prière à un mois et tu t'arrêtes. Mais toute la vie, ça, c'est un combat continu contre l'âme. Contre ton âme magnifique. Oui, c'est vrai. Hein, pour faire sortir de l'âme, c'est plus difficile. Pour sortir. L'argent, c'est pas facile. Sortir l'argent de sa poche, zakat, quand le temps du zakat s'approche, tout le monde. Les questions, personne ne te dit, est-ce que je peux sortir plus? Tout ce qu'ils disent, moi, est-ce que je sors pour l'or, je ne sors pas? J'ai des crédits, est-ce que je sors la zakat? Il attend la réponse que tu lui dis ne sors pas. Quand il lui dit ne sors pas, tu lui dis. Oui, bon, ça c'est vrai. Mais attention, l'argent, c'est pas facile.
La richesse, c'est pas facile. La bataille de Uhud, bon, je ne dirais pas qu'elle a été perdue, mais c'est une grande leçon pour les musulmans. Mais ils ont été vaincus. Pourquoi? C'était pour l'argent. Et ça, c'était pas n'importe qui. C'était les Sahara. Ils l'ont reçu directement du prophète. C'est pas de n'importe qui. Ils savaient que l'ordre du prophète, mais malgré ça, quand c'est l'argent, c'est la magnifique qui a eu dessus. Hein? Ça, c'est l'argent. Tu dis, il y a devant la porte de la mosquée qui partage de l'or. Tu crois que je vais rester avec le personne du temps? Personne ne restera. C'est simplement. Allah, il a fait en sorte que nous vivons cet argent. Et d'ailleurs, dans le lui-même, il dit dans le Coran, il n'a pas moi le pouvoir au lieu de vous. Fitna. Et dans un verset, al-mal wa al-banun zinatu al-hayat ad-dunya. Si ton argent, et tu l'aimes énormément au point où ton âme magnifique, elle te pousse à avoir du haram, ou bien à ne pas sortir la serrette, ou bien à ne pas donner par exemple à quelqu'un qui est vraiment comme tes parents, etc. C'est-à-dire, tu l'aimes tellement. Au point où, c'est-à-dire, ça y est, je suis parti de. C'est une finale. Mais si l'argent, tu le gagnes, mais c'est toi qui le décides, suivant le Coran et le reste du prophète, c'est pas ton âme magnifique que tu dictes ce que tu fais, non, c'est une erreur. C'est une grande erreur dans l'esprit de l'argent. Donc, l'adoration, elle aide à combattre son âme magnifique. D'ailleurs, le hadith du prophète, c'est ce qu'il dit, « Ya ma'asha al-shabab, ô vous les jeunes, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. » Ô vous les jeunes, celui qui a les moyens de se marier, il se marie. Aujourd'hui, on dit qu'il faut que le garçon ne soit pas trop jeune. Le garçon, une fois qu'il est majeur, c'est bien qu'il se marie. Ça, c'est une. Dans les cas des gens qui sont loin de l'islam. Mais en vérité, le musulman, quand il voit que son âme magnifique a lieu, pousse dans le haram, il se marie. En istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Fa man lam yastati' fa 'alayhi as-sawm fa innahu lahu wijaa. Donc, le prophète nous dit, si on ne veut pas, on n'a pas les moyens pour se marier. Et on a peur de tomber, c'est-à-dire ton âme magnifique, elle te pousse. Vers le haram, comment tu vas la combattre? Le prophète, il nous dit de la combattre avec le jeûne. De la combattre par le jeûne. Par le jeûne. Ça dit, c'est une protection pour le jeûne de quoi? De son âme magnifique, non pas du haram, de celle qui le pousse vers le haram, de son âme magnifique, et bien sûr, de shaitan. Fali atazdam, ça c'est la deuxième. La première c'est la science. Pour pouvoir combattre son âme magnifique. D'ailleurs, toute chose en islam, elle a des conditions. Toutes les choses. Toute adoration, il lui faut une certaine science. Donc la première c'est la science. Al-ilm. Thania, al-muhafala, al-salam. Thalitha, al-dikr. Kathratu, al-dikr. C'est-à-dire le fait d'évoquer Allah sur le message. Allah il dit Fadkuruni adhkurkum. Cette traduction, rappelez-vous de moi, je me rappelle de vous, ou bien les vœux que moi je vous évoque, mais ça c'est une traduction intégrale, mais en réalité elle ne veut pas dire, ne signifie pas la rhétorique, c'est pour ça que ce qui est dit traduire, c'est trahir, il faut savoir que nous on dit le sens. On traduit le Coran du Supreme, mais on essaye de rapprocher les disciples. Le Coran, d'un bon exemple, un Coran traduit, c'est pas un Coran. Tu peux le prendre avec un jeune homme. Parce que c'est pas un Coran. Le Coran, c'est celui qui est écrit en langue arabe. Et même avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc c'est ça, le Coran. Fadkuruni, fadkurtu. Et d'ailleurs, Allah dit Ya ayyuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. En vous et en prie, évoquez Allah subhanahu wa ta'ala énormément.
لذكر إبليسي الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سي لو فات ديفوكي على سبونسور باسكو الو ميز دونك et on a dit que quand tu ne vas pas dans la salle d'azage, c'est loin des femmes. Il m'a fait trop de la salle. Parce que c'est quoi les carottes? Quand là, c'est bien que subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, ilaha illallah, c'est ça. Mais aussi le décret, le vrai décret. Tu vas dans un bar et avant de faire le haram, tu te rappelles. Ah, tu te dis, mais tu te rappelles dans la salle d'azage. Et ce décret que t'empêche, une fois que tu t'es rappelé dans la salle et de s'entendre, tu te dis, tu ne fais pas ce haram. Tu veux faire le riba, tu te rappelles dans la salle d'azerogène. C'est ça le critique. C'est-à-dire le fait de te rappeler de la sanction dans la salle d'azerogène et ça t'empêche de faire un maximum. Ça, c'est le critique. Hada akbar le décret. Annakafat. انتصارك عليه الا باذن الله عز وجل.
ومن النصر إلا من عند الله عز وجل. فأما إذا انتصرت على عدو الداخلي فقد انتصرت على كل شيء، فكل شيء ينهزم أمامك. وقلنا أن النفس أمارة بالسوء، كما قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا في إتان إتان كومبا أونتخ لا إلى كلمة L'être humain, de sa nature, c'est un combat. Avec le pouce vers le mal, si tu arrives à la pousser vers le bien, tu la gagnes. Et tu la pousses vers le bien grâce aux adorations. Et si alors le dessus, et elle te pousse vers le mal, vers le haram, ça veut dire qu'elle t'a gagné. Et donc, la vie, Allah il l'a créé de cette Et c'est pour ça que le professeur Sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, Al-Muhajid man hajara ma harram Allah alayhi. Donc, Al-Mujahid, le vrai, c'est celui qui combat son nom magnifique. Que je dis, les grands savants, que ce soit As-Salaf, les premiers, en se basant sur le hadith du professeur Sallallahu alayhi wa sallam, Al-Mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Ils ont dit que le premier jihad, c'est de combattre son âme qui est à l'intérieur de lui-même. Déjà, la première des choses, c'est la sincérité. Et la sincérité, c'est pas facile. C'est un combat de toute la vie. Et d'ailleurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. L'ikhlas, sirru min asrar. Astaudi'u man ahbabtu min ibadik. La shaytan la ya'lamu fa yufsidu. ولا ملك يعلم مصيبته. الإخلاص هو أعلى مرتبات الإيمان. أعلى مرتبة في الإيمان أن تكون كل سكناتك وحركاتك وكل أعمالك خالصة لوجه الله عز وجل. لا تريد جزاء من أحد ولا تريد شكر من أحد. فكل أعمالك فكل الله عز وجل. يعني الأشخاص الذين هم أمامك تخاطبهم ولكن قلبك يفتقدهم، فقلبك معلق بالرب سبحانه عز وجل. كاين ناس اللي كيدير الدعوه ولكن والله كلهم شهره واستعلاء ورياء. ناس لا يدعون الى الله عز وجل الا اذا كانوا ظاهرين للملك. هناك ناس ما يدعوش خص تشوفها بالعين، خص تشوفها بالرسول، ولكن هناك ناس في الخطا يعملون في الخطا. لو رفعوا ايديهم الى رب العالمين لن يردها خائبة، بل حتى أن الله عز وجل أخفاه من شيء عباده حتى لا يحتقر الآخر بكثرة رفعته من الله عز وجل. دونك أون أدي كو لا بوميييغ دي شوز سي دو كومبات سون أم مانيفيك. سافون دي سالا ستراتيجي دونك لو بوميي كومبا سي دو كومبات سون أم. إي لو بوميي كومبا سي لا سانسيريتي. إي بوركوا سي تان كومبا دو توت لا في؟ Tout simplement parce qu'on ne peut pas savoir qu'on est sincère. Personne, les savants, ils ont dit, celui qui te dit je suis sincère, c'est pas sincère. Parce qu'on ne le connaît pas. Parce que Allah il dit la sincérité, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je le donne à celui que je aime parmi ses serviteurs. Auquel monde je ne peux la détecter pour l'esquive et qu'aucun diable ne peut la détecter pour la détruire. C'est Allah qui le veut. C'est des gens qui vivent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, ça c'est le premier combat et qui dit toute la vie. Omar Khattab il disait si je sais que Allah il a accepté de moi une raka, une seule raka, pas une prière, une raka, je serai le plus heureux du monde. Le alim tu an Allah a qabil a mini raka, la kouta sa'da nas. Limada? Li'anna hu kan yafhamu al-Qur'an. Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbal Allah min al-muttaqin. Fa idhan fa bab al-mujahada bab azim. والله عز وجل يقول بعض ربك هذا أول آية تكلمنا عنها. سنحاول أن نتكلم عن الآية الأخرى التي جاء بها هذا العالم الرباني في رياض الصالحين وهو الإمام النووي. وفي الحقيقة قال العلماء كيف أصبح هذا الكتاب هو أعظم كتاب مبيعا، يعني ما كانش كتاب بيع هذا الكتاب بعد القرآن الكريم. لماذا؟ هو الكتاب الذي كان هو الكتاب الذي كان هو الكتاب
Tout simplement parce qu'il était sincère. Parce que c'est quelqu'un qui, avant d'écrire, il a combattu son âme. Et quand il a combattu son âme, il a mis sous son vie, c'est son âme qui le suivait, donc il faisait tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas elle qui suivait ses désirs, mais c'est lui qui suivait le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam Malik, il a écrit le Muwatta. Mais Imam Malik, ce n'est pas son âme qui l'a poussé à écrire un Muwatta. Il l'a écrit avant peut-être qu'il était en 8 ans. Et il ne cessait d'enlever les hadiths jusqu'à ce qu'il devienne un seul homme. Et même quand il est venu le calife pour lui demander de l'imprimer, il lui a dit s'il vous plaît, laisse-le sur le Kaaba une année, sous le vent, sous la pluie. S'il s'efface, ça veut dire qu'il n'était pas pour Allah. C'était pour mon âme magnifique. C'était pour ma gloire. Et s'il ne s'efface pas, ça veut dire qu'il était pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après l'imam Malik, il y a une centaine de al-Muwatta qui ont été écrits. Sans savoir, ils ont écrit des livres, ils l'ont intitulé Muwatta. Aucun Muwatta n'est resté. Sauf celui de l'imam Malik, tout simplement parce qu'il a combattu son âme avant d'écrire quoi que ce soit, c'était pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vous remercie. أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن نكون من عباد الله المخلصين اللهم ارحمنا وارحم آباءنا اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم من كان منهم محسنا فزد في إحسانه ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم اجزه بالحسنة إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكون في قبورهم من المطمئنين ويوم يقوم الأشهاد من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.